coup, les filles, voilà, et surtout, vraiment, Jenny, écoute, tu m'as régalé quand tu as raconté que tu avais vraiment foiré ton annonce de grossesse, parce que j'ai fait exactement la même. Bon, pas avec ma grossesse, hein, puisque je n'en ai pas. Non, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'école, on a un nouvel élève qui s'appelle Sami Aliaga. Bon, j'avais jamais vu ses parents. Et en fait, hier, quand j'ai vu arriver sa maman, voilà, avec vraiment un ventre très, très proéminent, qu'est-ce que j'ai fait? Bien évidemment, je vous le donne en mille. Je lui ai dit, oh, vous attendez un heureux événement, félicitations. Et là, direct, j'ai vu là son mouvement de recul, tu sais, comme ça, elle a fait sortir le double menton, comme ça, qu'elle a commencé à faire, non, non, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai fait, oh là là, vite, esquive, petit pont, c'est genre version footballistique, quoi. J'ai fait un virage dans la conversation. J'ai dit, non, non, mais attendez, madame Aliaga, quand je parle d'heureux événement, je parle de la vie en général, parce que quelle chance pour nous, les femmes, de se sentir libres, vivantes, hein, parce que ce n'est pas partout comme ça dans le monde, que nous, en tant que femmes, nous avons le droit d'être en vie, d'être en forme. Et là, au moment où je dis en forme, elle refait pareil. Elle fait, non, non, mais je dis, non, non, mais quand je dis en forme, j'ai bien compris que vous n'êtes pas enceinte, madame Aliaga. Hein. Je veux dire, vous avez des belles formes, et tant mieux, c'est une ode à la féminité. Au moins, vous, vous assumez votre part de femme, contrairement à toutes ces maigrelettes, là, dont je fais partie d'ailleurs, hein, qui n'assument pas. Vous, au moins, vous défendez. Hein. Non, non, mais je dis non, non, mais vous défendez pas verbalement, je veux dire, par vos hanches dessinées, par votre poitrine opulente. Et là, elle me fait non, non, mais puisque je vous dis que je ne suis pas, j'ai fait oui, enceinte, j'ai bien compris, madame Aliaga, vous n'êtes pas enceinte. Elle dit non, je ne suis pas madame Aliaga, je suis monsieur. Monsieur Aliaga, c'était Monsieur Aliaga. Oh là 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 là. Et moi, dire que je pensais que je rattrapais une boulette, en fait, j'étais en train de faire un plat en sauce.